C'est mercredi et c'est l'heure des informations sur Canal Vurubera. Bienvenue. Nous parlerons dans cette édition de reconnaissance avec le temple Emmanuel qui fait une halte pour honorer ses pionniers. Trois principaux anciens ont reçu des attestations de reconnaissance et plusieurs autres présents pour avoir œuvré dès la fondation de cette église. Un élément à suivre dans cette édition, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. De l'appétit pour vous qui êtes à table. Nous parlons de prière pour ouvrir cette édition. Ils sont venus nombreux à l'église des Assemblées de Dieu, Sion de Zactouli, ce lundi, pour être témoins de la puissance de Dieu manifestée pendant la réunion de délivrance hebdomadaire organisée par cette église. Le compte-rendu avec Nathalie Ouedraogo, Jonas Tondé. Comme il est de coutume les lundis, l'enceinte de l'église des Assemblées de Dieu, Sion de Zactouli, était encore pleine de personnes venues de divers horizons dans le but de briser les jougs étrangers qui pèsent sur leur vie au nom de Jésus. Dirigée par le pasteur principal de l'église, le pasteur Jean-Baptiste Bourman, ce sont des moments de prière, d'enseignement, mais aussi de proclamation de la parole qui ont pour effet de nombreuses délivrances. Et cela fait plusieurs années maintenant que l'homme de Dieu est témoin de la puissance de Dieu dans la vie de milliers de personnes. C'est l'œuvre de Dieu qui nous a réunis aujourd'hui. La parole de Dieu déclare que Jésus a guéri un lépreux et lui a ensuite interdit de publier cette guérison, mais le lépreux a pourtant publié la nouvelle de sa guérison. De la même façon, les gens sont réunis ici de divers horizons parce qu'ils ont entendu parler de comment le Seigneur opérait ici au milieu de nous. Ils sont venus toucher de doigt les œuvres puissantes que la main de Dieu accomplit parmi nous. Cela fait 10 ans que nous avons implanté ce ministère de délivrance. Et pendant nos actions de grâce, c'est plus de 5000 personnes qui viennent témoigner de la visitation de Dieu dans leur vie. Et voilà, chaque lundi comme aujourd'hui, l'église se remplit de personnes. Le Seigneur a décidé de se souvenir de toi est le thème du jour tiré de Genèse 30, verset 22. À l'instar de Rachel, l'auditoire et surtout les femmes stériles ont été rassurées de la bonté de Dieu et de sa volonté à toujours faire du bien à ceux qui sont affligés. Une exhortation qui a suscité la foi des participants enthousiasmés de voir l'exaucement à leur requête. Vraiment, je suis beaucoup apprécié parce que ma vie a été bouleversée, impactée. Et depuis le jour que j'ai commencé à mettre pied en ce lieu, oui, parce que bien que ce matin, j'ai vu ma foi être relevée encore puissamment à travers l'enseignement que j'ai reçu. Voilà. Donc, j'ai compris qu'à travers la vie de Rachel, Rachel a rendu grâce à Dieu après avoir reçu le miracle de Dieu. Et je sais aussi que l'Éternel suffira mon miracle afin que dans les jours prochains, je puisse venir en ce lieu pour témoigner de sa gloire. Donc j'invite à tous ceux-là vraiment qui sont dans des situations difficiles aussi, dans des situations comme Rachel qui avait besoin de cet enfantement, qui avait besoin de l'attouchement du Saint-Esprit. J'invite à toutes ces femmes d'ouvrir leur cœur vraiment à l'Éternel afin de recevoir aussi leur miracle aussi en Christ Jésus. Des témoignages, il y en a aussi eu. Des stériles désormais fécondes, des malades guéris et des oppressés libres. Toutes choses qui contribuent à magnifier encore le nom de l'Éternel. Quand j'avais des maux de cœur, c'est comme si on pinçait le cœur. Je suis dans la joie car le Seigneur m'a guéri et je dis merci à Dieu. Nous bénissons Dieu pour tout ce qui se passe ici. Il est clair que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est la main de Dieu elle-même qui opère. De voir les larmes des autres essuyées par l'exaucement de leurs prières est une réelle joie. La parole de Dieu nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, et c'est ainsi que notre joie est manifeste de voir les autres exaucés. Tout cela est la main de Dieu et nous le glorifions pour cela. Les louanges n'ont également pas manqué. L'assemblée, avec des chantres invités, ont élevé le nom de l'Éternel pour cette offrande.
Je vous l'annonçais en titre, reconnaissance, le temple Emmanuel fait une halte pour honorer ses pionniers. Trois principaux anciens ont reçu des attestations de reconnaissance et plusieurs autres présents pour leur implication dans la fondation de cette église. Le reportage dans ces images de Gédéon Tapsoba. Honorer de tels hommes, selon Philippiens le chapitre 2 au verset 29, c'est sur cette accession biblique que le temple Emmanuel fait une halte pour honorer trois principaux pionniers ayant œuvré pour la mise en place du dit temple officiellement créé en 1990. Il s'agit des anciens Pierre Zané, Michel Bamogo et de la maman Micheline Yamiogo, épouse de feu pasteur Samuel Yamiogo. C'est depuis 1976 que je suis membre de l'église qui était Zorna et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, qui est le temple Emmanuel. Donc, vraiment, c'était un parcours que Dieu lui-même a guidé parce qu'il y a eu beaucoup d'adversité, beaucoup de difficultés, mais le Seigneur a toujours montré qu'il était vainqueur, qu'il était toujours avec nous. Donc, c'est un parcours que je rends grâce à Dieu de l'avoir fait avec son aide et sa protection. Présentement, nous disons que selon notre travail que nous avons été honorés comme ça, je pense que c'est trop à dire. Simplement pour dire, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'aujourd'hui ce soit comme ça. Mais nous, nous n'avons rien à dire. Nous remercions beaucoup l'Église, surtout les jeunes. La ZAD, surtout l'AEC, nous remercions beaucoup. À la MEB, DINAD, tous ces composants de l'Église qui travaillent, qui font quelque chose pour Dieu, malgré que les, bon, nous sommes des anciens, que nous, on ne les va pas. Mais je vous dis, c'est Dieu seul qui vous va. Et chacun aura son récompense au ciel. Des attestations de reconnaissance et plusieurs autres présents ont été offerts à ces illustres personnes, chevilles ouvrières du temple Emmanuel. Deux objectifs principaux étaient visés à travers l'organisation de cette activité, selon le pasteur principal du dit temple. Cette soirée vise deux objectifs. D'abord, dire merci à Dieu qui nous a donné ces personnes, notamment Maman Micheline, et l'ancien Bamoro, l'ancien Zané, et qui ont été vraiment en bénissant à l'Église, et aussi dire merci à ces frères et à cette sœur qui ont été pour nous vraiment des modèles en matière de foi, en matière de consécration, et surtout que leur exemple puisse motiver et encourager les jeunes générations. Le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso salue cette reconnaissance faite à ses anciens de leur vivant. En outre, il encourage les autres assemblées à emboîter le pas afin d'honorer les pionniers avant leur promotion céleste. Alors, je saisis cette occasion pour bénir le Seigneur et remercier le Temple Emmanuel qui a eu l'idée alors, de dire sa reconnaissance à des gens de l'Église qui, au début, ont œuvré à ce que cette Église qui est devenue grande là voit jour. Alors, cette idée est approuvée et à féliciter. Bon, le plus souvent, nous attendons la mort de la personne et c'est à ce moment que nous commençons à dire « il a fait ceci, il a fait cela ». Bon, mais je trouve que ça ne le sert plus. Alors, l'initiative donc, ou l'idée qu'ils ont eue d'honorer des gens de leur vivant est à féliciter. Et mon souhait est que cela choque, en tout cas, se contamine aux autres églises. Ils ont œuvré dans l'implantation de l'église, l'hospitalité avec les frères et sœurs, les œuvres sociales, l'enseignement, l'encadrement des jeunes mariés, pour ne citer que cela, et l'heure est à la reconnaissance de leurs œuvres. Ces trois pionniers continuent néanmoins de servir le Seigneur aux côtés de la jeune génération en tant que conseillers et personnes ressources.
Voilà donc, cette soirée a été l'occasion d'inaugurer une salle de prière baptisée au nom de Bons Dawende, nom de feu pasteur Samuel Bons Dawende Yamyogo, parti dans la gloire céleste en août 2022. Plus de détails dans ces images de Gédéon Tapsoba. Nous voulons d'une façon solennelle dédier ce bâtiment, cette salle à la prière et dont nous allons maintenant dévoiler le nom de baptême au nom de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Amen. Cette salle, comme on dit, c'est une salle de prière où on invite tous les fidèles à faire de cette maison leur maison. Et parce que la Bible dit que Dieu a promis que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est mieux d'eux. Et nous croyons que Dieu est fidèle. Donc nous voulons, par cette salle, encourager les fidèles à prier, à venir et faire de cette salle leur propre salle et à invoquer Dieu qui est fidèle, qui écoute et qui répond à nos prières. Alors nous sommes aussi vraiment très reconnaissants à l'Église qui a pensé à avoir une salle de prière. Alors parfois ce n'est pas facile, mais en tout cas l'idée de mettre un bâtiment karma à part, si on en a les moyens, alors pour tous ceux qui veulent prier, on sait que les églises ont des activités et parfois certaines personnes veulent prier mais l'église est occupée. Alors en tout cas c'est à encourager et nous les félicitons pour cette initiative aussi. Alors, qui est donc d'avoir un bâtiment mis à part, karma, pour tous ceux qui veulent prier. Et en tout cas, c'est très bien. Vraiment, c'est fut un homme qui aimait la prière. Qui aimait la prière jusqu'à son dernier jour. Il a aimé la prière. Et c'est lui, comme on l'a dit, c'est lui qui a initié cette salle-là pour la différencier de la salle où on fait les cultes. Il a voulu qu'on ait une salle de prière et effectivement le Seigneur a béni tout le temps, tous les jours il y a des gens dans cette salle qui prient. Donc vraiment je suis très contente et quand on se rappelle de son œuvre, ça me réjouit aussi. Nous parlons d'innovation pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous au Sénégal. La ville future imaginée par le président Macky Sall commence à prendre forme, mais ce projet titanique, ça nécessite une main-d'œuvre énorme qui attire des migrants de toute l'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, la ville du futur, imaginée par le président Macky Sall, commence à prendre forme à Diamniadio. Ce projet titanesque nécessite une main-d'œuvre énorme qui attire des migrants de toute l'Afrique de l'Ouest. Or, ces travailleurs dénoncent des conditions de travail médiocres, voire dangereuses, sur les différents sites de construction. Nous n'avons pas de travail dans notre pays. Ce n'est pas facile là-bas. C'est pourquoi nous sommes ici, au Sénégal, pour trouver notre chemin et bâtir notre vie. Évidemment, il n'y a pas de bonnes conditions ici. Lorsque vous êtes blessé, personne ne s'occupe de vous. Quand tu ne viens pas travailler, tu n'es pas payé. Travailler ici est très difficile pour nous. À terme, le projet abritera le nouveau bureau de l'ONU au Sénégal, des universités et des stades de sport. Hélas, les ouvriers qui les construisent racontent des journées interminables pour un maigre salaire et des nuits dans des logements décrépits. Il y a le courant, il y a l'eau, mais tout ça, ils tirent ça dans nos salaires sans que les travailleurs ne soient au courant de ça. Sans que personne ne soit au courant, si c'est tiré dans notre salaire. Au centre de nombreuses accusations, 8EC, la société chinoise qui les emploie, a nié tout abus et affirmé respecter les lois sénégalaises. Chaque jour, dès que l'on arrive au travail, les Chinois nous crient dessus. Ils nous frappent et ils nous maltraitent. Sima Danital, le maître d'ouvrage des deux sites, dit n'avoir été informé d'aucun mauvais traitement. Il reconnaît néanmoins que cette situation nécessite des solutions à long terme. C'est une problématique globale à laquelle il faut trouver des solutions durables, parce que tout ça, c'est la pauvreté. Quand les gens quittent chez eux, c'est parce qu'ils n'ont pas d'opportunité, ou c'est parce qu'ils sont en situation de crise, ou ils viennent de pays en conflit.
Sollicité par l'AFP, le directeur général de 8TC pour l'Afrique de l'Ouest a confirmé qu'il y avait eu 2 décès sur le site de l'ONU, l'un lié à une crise d'épilepsie et l'autre dû à un accident. Et puis en déplacement mardi à Bruxelles, la première ministre moldave Natalia Gravilita insiste sur les conséquences de la guerre en Ukraine pour son pays. Depuis le mois de juin, la Moldavie dispose du statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Dans ce contexte, la première ministre moldave était en déplacement mardi à Bruxelles. Chișinău est en haut de la liste des États à risque face à la Russie. Moscou dispose de nombreux moyens de pression pour déstabiliser le pays. La responsable moldave insiste d'ailleurs sur l'impact de la guerre en Ukraine sur l'activité économique. We're expecting growth of 5% in 2022, and instead we saw a decrease in economic growth by 5.5%. We have very high inflation, and for example, the tariff for gas went up 7 times, the tariff for electricity went up 3 times, although we have a targeted social assistance program, the bills that people are seeing have increased dramatically. La première ministre insiste aussi sur de nouvelles tentatives menées par la Russie pour déstabiliser le pays. We are seeing elements of hybrid war. We are seeing, for example, pro-Russian forces trying to destabilize the country politically through paid protests, which quickly subsided when the oligarchs that fled Moldova were put on sanctions lists and their money flows were restricted. We are seeing cyber attacks. We've had the biggest cyber attacks in 2022 in the history of our country, we are seeing bomb threats. La Transnistrie soulève aussi de profondes inquiétudes alors que la guerre se poursuit en Ukraine. La région séparatiste pro-russe est une étroite bande de terre de près de 200 km de long sur 30 km de large, située le long de la frontière ukrainienne. La région s'est autoproclamée indépendante en 1992 et se donne les apparences d'un État constitué, mais elle n'est pas reconnue par la communauté internationale. We consider the situation in our separatist Transnistrian region fragile but stable, and we have always said that a lot of the situation in Moldova will depend on the evolution of the war in Ukraine. We see the brave Ukrainians being very resilient and fighting for the security not only of their country but also for the security of Moldova and for wider for the values that we as Europeans profess. La première ministre évoque aussi la progression de l'immigration illégale liée à la guerre. L'Ukraine et la Moldavie servent de pays de transit pour les migrants. Vaste coup de filet pour la police israélienne contre la mafia dans le viseur. L'un des plus grands clans criminels du secteur arabe israélien, suspecté d'implication dans les affaires financières, a été arrêté. Ce mercredi aux aurores dans le nord d'Israël, la police israélienne enclenche l'opération Milliard Noir. Montres de luxe, bijoux et surtout 1,5 million de shekels en espèces dissimulés un peu partout. C'est ce que cachait dans ses différents appartements la famille Abou Latif, l'un des plus grands clans criminels du secteur arabe, soupçonné d'évasion fiscale et blanchiment d'argent à grande échelle. Il aura fallu un an d'investigation et pas moins de 700 policiers, gardes frontières et agents d'unités spéciales pour mener cette opération complexe. Résultat, 21 suspects arrêtés, également soupçonnés de violences, meurtres, fusillades visant des civils et des policiers et de nombreux cas d'extorsion. Dans le cadre de la lutte contre cette organisation et en raison de la peur des citoyens de porter plainte, les policiers du district nord se sont fait passer pour des entrepreneurs afin d'être utilisés comme cible d'extorsion. La police israélienne attrapera les familles de criminels tôt ou tard. Chaque famille de criminels, même du secteur arabe, saura qu'il n'y a pas d'immunité. Il y a encore beaucoup de travail, mais ce matin, je fais l'éloge de la police et de la personne qui la dirige.
Voitures de luxe, bijoux, téléphones portables, une partie du butin saisi par les forces israéliennes ce mercredi. D'autres arrestations sont prévues dans les prochains jours. Voilà qui met fin à cette édition. Me rappelons que l'église des Assemblées de Dieu, Temple à Emmanuel, sise aux 1200 logements de la ville de Ouagadougou, a fait une halte pour reconnaître le mérite de ses pionniers. Une activité que vous avez pu suivre dans cette édition. Et l'église des Assemblées de Dieu invite les autres églises à prendre le pas et à honorer les pionniers de leur vivant. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Daniel Ouedraogo a réalisé cette édition.